miniature. Ouais, pas voyant ce que je fais là. Bon. J'ai entendu un pingman en train de mourir, mais un truc violent. Je sais que vous entendez les mobs hostiles un petit peu violemment. Toi, t'es pas au bon endroit, toi. Tant pis, je vais ailleurs. Par là. Non, c'est pas par là que j'ai vu qu'il y en avait. Là-bas. Je crois que j'ai plus de bouffe non plus. Attendez, je vais remonter le son de mon PC parce que tous les jours je le baisse pour aller au boulot et puis, le soir je le remonte évidemment. Parce qu'évidemment quand je reçois des mails de Thunderbird, voilà. Ok, niveau, je peux en réenchanter, enfin je peux pas réenchanter mais fusionner deux pioches. L'autre il est toujours là, je sais pas. Non, il a bougé. Nickel. Attendez. J'entends un slime. Oh putain. Ah, je sais pas où il est, mais j'ai entendu un slime. Ça sent mal cette histoire. En plus ça se gêne pas. On va rentrer parce que et j'ai un chat qui a décidé de... Je sais pas, il est en mal d'affection. Je sais pas si vous l'entendez miauler. Il miaule sous le palier. C'est là. J'ai un peu de mal à me repérer le résultat. Le portail est là-bas. Allez. Gamelle et enchantement. Il faudrait peut-être que je me mette un petit peu à l'agriculture également. Ou à la reproduction d'animaux. Qu'est-ce que j'ai à grailler là-dedans? Dis pas que j'ai plus rien à grailler. Faut absolument que je régène. Pour le moment, j'ai une nourrir de ça, puis on va aller chercher une source de nourriture un peu plus safe. Voilà, c'est juste histoire de régène. Un minimum. Et je voulais. Qu'est-ce que je voulais? J'ai dit gamelle et enchantement, c'est ça. Donc on a notre pioche solidité et ça qui nous font nous coûter 10 niveaux et dans l'autre sens ça nous coûte 10 niveaux aussi.
ça et notre pioche, ça nous coûtait 13 niveaux. Et on aura efficacité 3 et solidité 1. Pour 13 niveaux, j'en ai 7, il m'en manque 6. Il va même nous en manquer un petit peu plus. Parce qu'avec ça, j'ai quoi? Une efficacité 1 encore. Est-ce que j'ai une autre efficacité 1? Non. Donc on va encore utiliser notre efficacité de solidité 2. Bon, on va se nourrir un petit peu de en urgence, mais bon. Non, je suis sorti du mauvais côté. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Stop les pigmen quoi. Oula. Ok. Bon. Donc j'ai dit 13 niveaux, hein. J'en ai vu par là du quoi. J'ai bien vu du quoi dans le secteur. Ah, il est un peu plus loin, ok. Non, je vais pas tenter de dire. Quand on aura une potion de résistance au feu, on se fera plaisir ici. Plus peur de tomber dans la lave. Là-bas, mais bon, je sens que je vais encore être accueilli avec des ghasts. Bon, de toute façon, je tourne en rond. Je pense que je serais mieux d'aller miner. J'allais récupérer quand même le quartz qui est là-bas. Et là, il y a un gaz qui tire. Je tombe dans la lave. Je suis foutu. Niveau 8. Allez, on va partir dans un autre coin. On va essayer de monter. Donc j'ai dit niveau 13, hein. Il fallait qu'on soit. En soi, changement de tactique. Thank you.
Ok. Bon, on va quand même virer le F3 parce que depuis le temps qu'il est activé, c'est sympa, mais voilà. Si je m'attendais à tomber sur de la lave là, alors que je creusais la montagne. Ah oui, d'accord, ok, le quartz il est inaccessible là-bas. Hop, c'est bon, je mets 13 niveaux. On va encore un petit peu tant qu'on peut. En soi, non, c'est pas un bon calcul. Dommage, il y a ce qu'il faut là. Bon, je reviendrai ici. Ok, allez, on embarque. Oh, déjà, bah vache. Suis pas en train de m'éloigner là par hasard. Je suis en train de m'éloigner. C'est par là. Ok, mais il va me falloir de toute façon de la bouffe, hein. Il va falloir que je sorte pour aller me chercher de la nourriture. Donc, efficacité et... enfin oui, ça, efficacité 2 et efficacité 2. L'autre sens peut-être, non, non plus. Voilà, renommée. Non, bah non, j'ai 15 niveaux pile poil. Allez, efficacité 3, solidité 3. Comme ça, après, on a encore une efficacité 2, une efficacité 1. Pioche en diamant, on pourrait essayer de la réparer un peu. Trop de niveaux, allez, hop. Oublie. Alors, de quoi on se débarrasse? Sachant que on a ça en cas de besoin. En bouffe, on a vraiment rien. On va remettre les trois potions ici. On va reprendre une Netherwart. Ça, on l'aura déjà préparé. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, alors on va se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. Ça, on va le garder. Ça, on va le jeter. La pioche en diamant. Les pioches, on va pas en avoir besoin tout de suite. Des flèches. Ouais. Des os, j'ai quoi en os? J'ai que 4 os. Ouais, d'accord. Bon, le quartz, j'ai dit qu'on était. On va garder une potion ici. On garde quand même un peu de bloc. Ça, on va garder là. Je sais que je peux me faire du papier. Les bâtons, c'est pas nécessaire. Du bois, il y en a là-haut. Allez. Oui. Allez, on va sortir. Peu importe le temps, même s'il a l'air de faire jour. J'espère au moins que ça n'est pas en train de tomber. Bon, ça a l'air d'être le...
Je vois pas le soleil. Bon. On va juste écramer un minimum cette forêt. Ah, mais quel con! Ouais, toujours pas mes seaux d'eau sur moi. Hein. Toi, ça change pas. Ok. Ça, c'est mon pigeonnier. Ah merde, ça va se propager jusque là-bas. Voilà. Parce que ça, je tiens à le garder quand même un minimum. Ok, comme ça on va pouvoir dégager un petit peu. À l'épisode précédent, j'ai vu. Voilà, ça je le veux. Ah, il y en a deux même. Ok, il y a même du cuir un petit peu. Voilà, donc ça nous fait un petit peu de bouffe. Ok, de toute façon on va cramer une partie de la forêt, hein, c'est sûr. Parce que ça fait vraiment trop. Je sens que je vais périr par les flammes. Oh, d'accord, ok, le glitch. Ouais. Par contre, pareil, ce qu'on va faire. On va essayer de récupérer un peu de graines quand même. On essaie de se faire un peu de pain. C'est bon, 5 graines. J'ai 4 os, 4 fois 3, 12. Donc ouais, donc j'ai de quoi. Ok, toi je t'ai vu. C'est quoi ce délire? Il y a un spawn protection maintenant? Est-ce que c'est un spawn protection ou est-ce que c'est... What the fuck? Despawner, résultat, je suppose. Non, bah je sais pas ce qu'il y a eu. Je pouvais plus casser le bloc. Bon, 5 steaks. Ok. Va éclairer un petit peu ça. Si la nuit tombe alors que je suis dehors, je crame tout. Qu'on soit clair. Je crame mais tout quoi. Histoire d'avoir un terrain un peu plus aplani contre les mobs. Parce que là, pas possible quoi. Okay. Du cacao, ouais, ça aurait été sympa d'en récupérer peut-être un peu plus. Ce qu'on va faire, voilà, comme ça, avec le blé, on pourra se faire des cookies, des bons cookies. Allez, dernier morceau de zombie là. Qu'est-ce qu'il fait lui?
que j'en replante des melons parce que si je veux me refaire des instant heals, il m'en faut absolument. Je dis 5 graines même si c'est comment? Même si c'est facile de les multiplier, vaut mieux en avoir pas mal dès le départ. Donc ce sera un épisode, ouais, enfin une autre moitié d'épisode parce que je sais que j'avais coupé en plein milieu d'un épisode quand j'ai regardé l'encodage des vidéos. Ok. Ça, I take it. Bon. Et ben au moins on a, ça y est, on a de nouveau une source de nourriture plus fiable. Là-bas, il y en a encore. Je me demande si les melons ça crame. Je vais juste en essayer d'en cramer un pour voir. Non, ça a pas l'air de vouloir cramer les melons. Donc en soi, je peux cramer la forêt et les melons resteront. Bon à savoir, tiens, il y en a encore un là. Ouais, mais ça va pas parce qu'il y a le feu à côté. Allez, hein, on fait. Oh, c'est pas possible. Allez, on fait plaisir, hein, de toute façon. Il va falloir que je retrouve c'est mon ce qu'il y a là un beau trou ouais, de toute façon on peut rien remonter de là. Bon. Ah oui, d'accord, on a pas mal bougé en fait. Mais j'ai pas de carte. De toute façon, je m'en fous, j'ai les coordonnées. Enfin, faut juste que je rouvre l'image. Mais c'est un truc genre 0 0200, un truc comme ça. Ou 0,20, je sais plus. Non, 0,20, c'est les coordonnées du portail. Alors, je sais que je pourrais faire de l'agriculture, mais dans une jungle. C'est pas possible de les ramener quoi. Bon, là franchement je suis bon en steak pour un petit bout de temps. Si je meurs pas avant de toute façon. Alors, 17 ouais. Ok, la nuit commence à tomber, on va peut-être se remettre à l'abri jusqu'à c'est le melon que je vois là, les melons que je vois là.
De toute façon, en cas de problème, je peux toujours me remettre à l'abri puis boire mon instant heal. Et comme promis, je suis une nuit, je crame tout. Juste un truc. Les coordonnées, c'est... Ça peut être celui-là. Non. C'est celui-là, voilà. Alors, c'est 35-230. Ok. Donc, 35, c'est par là. Et 230, c'est un peu vers ma droite. Ok. Donc, c'est dans cette direction. J'ai fait un misclic. Bien sûr, j'ai les lianes qui commencent à se... Ah, je vais peut-être pouvoir les récupérer, remarque. Alors, ça, je vais le... Voilà, je vais arrêter de le sélectionner. Bon. Pour le moment, je serais gêné comme ça. Hein. Les instant heal, c'est vraiment en cas d'urgence. Je pense notamment en cas de sorcière. De toute façon, je ne retournerai pas dans la faille. Même si je l'ai éclairé en grosse partie, il est hors de question que je retente ça tant que j'aurais pas fait un maximum de minage optimisé avant. Après, peut-être que je retourne dans cette faille. Mais en attendant, hors de question, quoi. Hors de question. Ok. Alors on a huit. On a deux bouquins. Qu'est-ce qu'il nous donne? Protection 1, c'est pas mal. La puissance 1. Pour l'arc, ça pourrait être intéressant. Il nous faut plus de coffres. Deux, c'est parfait. Alors, il va nous falloir, premièrement, ça t'arrête. Comment? Il va nous falloir un coffre pour les potions et un coffre pour les enchantements. On va les mettre comme ça. Ça, ce sont les coffres d'enchantement. Ça, ce seront les coffres pour les ingrédients de potions qu'on va bouger. Donc, on a ça. On a l'or qui va essentiellement servir à ça. Les fioles d'eau. Les fioles d'eau. Ok, plus de niveau. Ok, donc enchantement. Non, enchantement. Donc il reste encore le bouquin ici. Ici, il me reste. Donc pour les enchantements, donc j'ai dit potion, verrue du nether. On va mettre un peu de passe. Ouf, pas autant. Ça. Ok. On va se prendre un petit peu de... J'ai de la pierre, juste les sticks. On va se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin, à savoir ça, 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 ça. Le cacao, on en aura peut-être besoin après. La terre, pas besoin. Les bâtons, j'ai dit qu'on s'en servirait à l'instant. Ok. Ok, il va nous falloir donc...
ceci. Savez-vous planter des choux? Oh, la référence, toi.